Moi? Mais voyons, je connais tous les hommes. Si je n'étais pas sentimentale, je serais un véritable animal. De tous les signes astrologiques que j'ai eus dans mon lit, il m'apparaît logique de choisir l'homme de ma vie. Parmi un éventail de qualités, j'en ressens à y penser de la gaieté. La balance me subjugua par son charme, tandis que la Vierge me laissa les armes. Le Scorpion m'a hypnotisé, le Capricorne m'a étonné, et le Cancer m'a, immolé. Le Gémeau aimait jouer avec les mots, et je prenais toujours le Verseau au mot. Le Sagittaire, qui savait se taire, m'a préparé au contact du Poisson, qui lui ne voulait que se taire. Avec le Bélier, mon corps se déliait. Le Taureau, lui, me provoquait, et le Lion, encore et encore, en voulait. Si je n'étais pas sentimentale, je serais un véritable animal. Je suis perplexe devant le choix de l'homme qui me convient, car si le Scorpion m'inflige des morsures, que le Lion jouit dans une explosion de cris, et qu'avec le Bélier, c'est un lit en bataille, avec le Poisson, c'est le grand silence. Le Sagittaire est trop sage, et vraiment, le Verseau, trop conventionnel. Le Taureau qui frémit si fort, et le Cancer qui se colle toujours à moi, me fait rougir. Pour la Vierge, qui elle rougit de rien. Enfin, le Capricorne calcule froidement gestes et mouvements. Quand je m'approche du Gémeau, je ne sais pas à qui je m'adresse. Et puis la Balance me fait danser sur toutes les notes de la gamme. Je ne sais jamais où j'en suis avec lui. D'ailleurs, je ne sais plus où j'en suis. Je vous assure que si je n'étais pas sentimentale, récapitulant, la Balance me subjugua par son charme.